Classer des documents, gérer le courrier entrant et sortant, c'est devenu le quotidien de Marianne. Elle travaille comme aide administrative au CPAS de Charleroi. Une fonction qu'elle n'a pas toujours exercée. Pendant 30 ans, elle était aide familiale. Au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'était un travail uniquement de nettoyage. Et puis, étant donné l'évolution de notre société, le vieillissement de notre société, nous avons mis le système a mis en place les maintiens à domicile. Et donc, à ce moment-là, le travail était beaucoup plus varié et il y avait aussi des manutentions de personnes et ainsi de suite. Donc, physiquement, il y avait le stress de respecter le planning plus la lourdeur du travail. Souffrant de douleurs de dos, il lui était devenu difficile physiquement de poursuivre son ancien emploi. J'étais vraiment à bout. Voilà, je n'en pouvais plus, c'était plus possible d'assumer le poste, quoi. Et je voulais continuer à travailler le plus tard possible et le plus longtemps possible. Marianne a alors fait une demande de reconversion auprès du CPAS de Charleroi. Sa requête a été acceptée. Elle a été transférée auprès de la cellule administrative. Un poste totalement différent, mais qui correspondait mieux à ses besoins. Déjà, je n'avais plus cette lourdeur de travail. J'avais un horaire beaucoup plus régulier, parce qu'à domicile, ça veut dire les week-ends, les jours fériés, ainsi de suite. Donc, horaire fixe, plus de déplacements, un travail tout à fait adapté à une fin de carrière. Voilà. Et quand on a des soucis de santé, c'est précieux de pouvoir continuer à travailler quand même. Hein. Pour exercer cette nouvelle fonction sans se faire mal au dos, Marianne a mis en place des trucs et astuces assez simples. Elle pratique par exemple les bons gestes pour porter des poids. Elle transporte aussi le courrier avec une table roulante. Voilà Jean, je t'apporte le courrier. Hein. Oh, mais tu es trop aimable. Mais oui, tu le sais bien. Ben oui, je le sais. La reconversion de Marianne s'est faite petit à petit. Elle a suivi quelques formations. Elle a aussi appris à travailler en équipe.